Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau café virtuel. Un épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui, eh bien, je vais répondre aux questions que tu te poses, aux questions que les personnes qui sont présentes lors de ce direct vont se poser. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce qu'il va y avoir du monde ou pas? On verra, je vais rester disponible quelques minutes, un bon quart d'heure, et puis si je vois qu'il y a du monde et que le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau café virtuel, un épisode un peu spécial puisque aujourd'hui, je vais répondre aux questions que tu te poses, aux questions que les personnes qui sont présentes lors de ce direct vont se poser. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce qu'il va y avoir du monde ou pas? On verra, je vais rester disponible quelques minutes, un bon quart d'heure, et puis si je vois qu'il y a du monde. Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau café virtuel. Un épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui, je vais répondre aux questions que tu te poses, aux questions que les personnes qui sont présentes lors de ce direct vont se poser. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce qu'il va y avoir du monde? Ou pas? On verra, je vais rester disponible quelques minutes, un bon quart d'heure, et puis si je vois qu'il y a du monde. Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau café virtuel, un épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui, je vais répondre à ces questions que tu te poses, aux questions que les personnes qui sont présentes lors de ce live, si je vais me poser. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce qu'il va y avoir du monde? Ou pas? On verra, je vais rester disponible quelques minutes, un bon quart d'heure, et puis si je vois qu'il y a du monde. Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau café virtuel, un épisode un peu spécial puisqu'aujourd'hui, je vais répondre. J'ai peut-être du coup mon propre son. Ah. Wow. What is that? Ah. Putain, j'ai fait Inception en mode son là. Magnifique. Inception sound. Bon, bah, je vais reprendre ce que je disais. Ok, bon. Pourquoi ça répète là? J'ai trouvé. J'ai désactivé partout sauf à cet endroit là. C'est honteux. Honteux. Bref, comment ça se passe? Bon, je vais quand même relancer là. C'est n'importe quoi, putain. J'ai fait une superbe intro de fou. Et voilà que mon intro de fou, elle est bafouée là. Honteux. C'est quoi cette histoire, sérieux? Comment ça va les amis? Christophe, Jonas, j'espère que ça se passe bien. Jonas, d'ailleurs, il faut que je t'envoie un petit message après pour te remercier pour cette discussion de cet après-midi et pour le verre offert. J'ai pas eu encore l'occasion de te renvoyer un petit message. Je rentrais tout juste pour le live, pour tout te dire. Ouais, c'est un nouveau concept. Inception. On va faire un live une fois, Christophe, toi et moi, sur Inception. Et peut-être bientôt, je vais en faire un sur 300. Tu vois, comment développer ton business à la puissance 300. Je pense que tu as vu ça sur LinkedIn. Avec grand plaisir, en tous les cas, pour refaire un live avec toi. Alors, quelles sont vos éventuelles questions avant que je refasse ma petite intro? Putain, j'avais dit que j'allais parler de One Thing. J'avais dit que j'allais parler d'une NaNoWriMo et aussi d'un superbe...
j'ai reçu de la part de la Poste belge un document qu'on va décortiquer ensemble niveau marketing. Et ça a l'air vraiment super intéressant, donc on va voir. Je vais vous présenter ça juste après. Je vais refaire une petite intro et en même temps, je vais en profiter pour repartager. Donc, je disais que si vous aviez des personnes intéressées par l'entrepreneuriat, par l'écriture ou et par le développement personnel, eh bien, partagez ce live autour de vous, puisque l'idée, c'est de pouvoir grandir ensemble. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on partagera sur cette thématique. Si vous avez déjà des questions, eh bien, indiquez-le aussi en commentaire. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Si vous avez aussi des partages à faire sur votre activité, votre business, on peut le faire aussi. C'est vraiment soirée disco ce soir, soirée questions-réponses, Inception, yes, on va faire ça. Avec plaisir Jonas, un grand grand plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Et la semaine prochaine d'ailleurs, pour les personnes qui sont là, sachez que la semaine prochaine, je vais accueillir Jonas de Work and Meet. Work and Meet, c'est quoi ? C'est une plateforme qui permet de trouver un lieu où on peut travailler, mais pas n'importe quel type de lieu. Ce sont des personnes qui ont envie, comme vous, de travailler à plusieurs et qui vous invitent chez eux. Et ça, c'est magnifique. Et on va en parler la semaine prochaine, notamment avec le parcours de Jonas, qui est un jeune entrepreneur que j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a peu et que je vais avoir le grand, grand plaisir de mettre en avant lors de l'émission de la semaine prochaine. Donc nous serons le, que je dise pas de bêtises, nous serons le 13 et ce sera à 13h, donc 13 octobre à 13h, bloquez la date, ce sera avec grand plaisir que Jonas viendra partager son parcours. Yes, je vais parler de la méthode en 3 étapes simples pour créer ou recréer une activité professionnelle qui apporte plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton quotidien. Ben, en fait tu connais par cœur cette phrase, c'est magnifique. Excellent Christophe. C'est quoi, je me dis que j'irai même faire bien un petit tour sur Gameboard Arena pour faire un petit jeu de société, vous partager l'écran et jouer en même temps. Ce serait le concept, un concept jeu de société où je réponds aux questions en même temps. Tu vois, genre les gamers qui jouent à Call of Duty ou Fortnite, eh ben moi je vais jouer au Backgammon ou bien, je sais pas moi, au jeu de dames, pourquoi pas. Le jeu d'échecs, ça va être un peu compliqué parce que tu vois, c'est un petit peu chaud quand même. Bon, allez, je propose que je refasse une petite intro, comme ça je pourrais couper cette partie où on est un petit peu déconné entre nous. Je reparlerai de Work and Meet évidemment pour que pendant le live, eh bien, il y ait évidemment quand même la possibilité aux gens de savoir qu'il y a un live qui se déroulera la semaine prochaine. Mais voilà, donc là on était un petit peu entre nous, sachez que cette partie-là va être coupée. Donc si vous voulez dire des bêtises, c'est maintenant, c'est l'instant. Après, ce sera plus possible, on sera vraiment en live de chez live. Donc je refais ma petite intro, tu vois, genre personne n'a rien vu, et puis on est parti pour ce sublime épisode. Maintenant que le problème de son est réglé, à tout problème, il y a solution. Hello le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des Cafés Virtuels, et aujourd'hui c'est un épisode spécial puisque c'est une foire aux questions surprise. Et oui, et comme toute surprise, eh bien... c'est pas prévu à l'avance, évidemment, sinon c'est plus une surprise. Hein. Imagine un anniversaire où les gens à qui on a envie de faire la surprise, ben, ils sont au courant, ben, du coup ça tombe à l'eau, donc c'est un petit peu comme un soufflet, tu vois. Là l'idée c'était de te prendre au dépourvu, bien que si tu suis mes stories, tu as pu voir hier que je faisais un live ce soir. Mais pour tous les autres, c'est une découverte, et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je réponds à toutes les questions que tu te poses concernant le business, l'entrepreneuriat de manière générale, donc la création d'entreprise, mais aussi le développement d'une activité, pourquoi pas la revente d'une activité. On en parle avec grand plaisir si tu as des questions à ce sujet. Si tu as envie aussi qu'on parle d'écriture, eh bien c'est avec grand grand plaisir qu'aujourd'hui je vais te parler du concept de NaNoWriMo qui va démarrer au mois de novembre. En fait, chaque année au mois de novembre, il y a un défi, un challenge mondial qui s'appelle le NaNoWriMo. Si tu ne connais pas, reste avec moi. Et si tu connais, eh bien je serais ravi de savoir que tu y participes cette année. On en parle aussi avec grand plaisir. Et donc, si tu as des questions sur comment écrire ton livre,
comment est-ce que moi j'ai écrit tous mes livres, quelles sont mes techniques d'écriture, mes techniques de promotion. J'ai eu le grand plaisir de publier « Mets du bonheur dans ton business » qui est là, tu vois, je me fais à chaque fois avoir. « Mets du bonheur dans ton business » a été vendu à plus de 600 exemplaires à l'heure où je fais ce live, c'est une grande fierté pour moi. Et donc, ben voilà, je peux te partager à ma modeste contribution, t'expliquer comment moi j'ai fait pour vendre tous ces livres. Et j'ai utilisé également notamment la publicité sur Facebook, sur Amazon et sur LinkedIn. Je peux te parler aussi de la différence de ces expériences et de comment ça a impacté positivement la vente des bouquins. Je peux t'expliquer aussi la stratégie qu'il y a derrière ces livres. Concrètement, à quoi ça sert d'écrire un livre? Est-ce qu'on écrit de la fiction comme on écrit de la non-fiction? Je pourrais te partager également, si tu le souhaites, parce que sache que le mois prochain, au-delà du NaNoWriMo, il y a un nouveau groupe d'écriture qui va être lancé, que je vais lancer, que l'Académie Business Bonheur va lancer. Et donc, avec grand plaisir, je t'en parle aussi, si ça fait sens pour toi. Et on va parler également de développement personnel. Donc, si tu as des questions relatives au développement personnel, on en parle avec grand plaisir. Pour terminer, je vais te présenter ceci, qui m'a été envoyé par la Poste belge. On va décortiquer marketingement parlant, on va décortiquer ce que je viens de recevoir ici aujourd'hui. Par la Poste belge, tu vas pouvoir découvrir ce que c'est et tu vas voir qu'en fait il y a un grand intérêt en termes marketing. J'espère qu'en tous les cas que cet épisode va te plaire. Ah oui, il y a une chose aussi que j'ai oublié de te dire, on va parler de ça, The One Thing, passer à l'essentiel. J'ai recommencé à le lire en français parce que je l'avais lu en anglais et j'ai encore appris pas mal de choses avec des tournures de phrases un peu différentes de la version anglaise, anglophone en tous les cas. Et donc là aussi on va parler du pouvoir du focus. Tout un programme, on se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue donc dans cet épisode du Café Virtuel un peu spécial. Je vais lire tous les commentaires. Yes, Gamepreneur, Game Entrepreneur, ça existe en plus. Je ne vais pas le dire qui c'est, hein. Oh, c'est un camarade entrepreneur. Hein. Si vous êtes un petit peu curieux, vous pouvez aller voir sur Google. Voilà, je fais entre guillemets de la pub sans le vouloir, t'imagines ça? La pub pour un concurrent. Concurrent, c'est un concept que j'aime dire, que j'aime partager. Pour moi, en fait, il y a possibilité de créer de la valeur autour de soi, même si hein, il y a des personnes qui font la même chose que soi, que toi, dans ton entreprise, eh bien, sache que tu peux considérer les autres comme des concurrents. En tout cas, c'est ce que je te propose, c'est de retirer le N de con et de considérer les autres entreprises comme des partenaires potentiels. Alors évidemment, si à un moment donné, tu valides qu'une personne ou qu'une entreprise est un concurrent, bah, tu laisses ça comme ça et tu les laisses faire leur vie. Moi, je ne cours pas après les concurrents, je n'essaie pas de copier spécifiquement, bien qu'on peut être inspiré par des concurrents, évidemment. Mais voilà, je considère qu'il y a tellement de valeur à créer dans le monde que, bah, qu'il y a de la place pour tout le monde, en fin de compte. Bon, après, on me dit parfois que je vis dans un monde de bisounours, c'est peut-être vrai aussi. Bon voilà, c'est ma vision des choses. Après, chacun pense comme il veut. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu vois les choses. Comment est-ce que toi, tu imagines la concurrence? Est-ce que tu as déjà contacté des partenaires potentiels? Comment ça s'est passé? Ça peut être intéressant aussi qu'on échange à ce sujet-là, que ce soit en direct ou en replay. Christophe, comme en vidéo, il faut être focus. Ben effectivement, on va parler de focus aujourd'hui. Ben, ça me permet d'enchaîner avec le premier sujet du jour. Au-delà des questions que tu te poses, eh bien, on va parler de The One Thing qui a été écrit par Gary Keller et Jay Papasan. Ouais, bon, en fait, je fais que relire le titre, hein, évidemment. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre super. Alors, on en avait déjà parlé. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait qui en parlent parce que effectivement le fait d'être concentré sur une tâche te permet d'atteindre cette tâche plus vite. Alors il y a un dicton qui est partagé dans le bouquin et qui fait sens évidemment, c'est à courir deux lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Alors je vérifie qu'on voit bien, je pense qu'on voit correctement. Ouais non, voilà. À courir de lièvres à la fois, on n'en attrape aucun. Et c'est une réalité. Il est clair que quand je te partage par exemple le concept de voyage ABCZ de la méthode Business Bonheur, ben, je te propose de partir d'un point A et d'atteindre un point Z. Point A, c'est le point de départ. Le point Z, c'est la destination que tu veux atteindre, notamment en business, ton business bonheur.
Eh bien, il est évident que si ton business bonheur idéal se trouve à droite et que tous les jours tu fais deux pas à droite, puis un pas à gauche, puis deux pas à droite, puis un pas à gauche, ben, tu iras moins vite que si tu fais trois pas à droite tous les jours. C'est imagé, évidemment, hein, parce qu'on va, on parle aussi dans le bouquin, notamment de l'effet domino. Je vais t'en reparler un petit peu plus tard. Et aussi ben, des différentes sphères de sa vie. Là, je t'invite à t'inscrire au webinaire qui va avoir lieu jeudi, puis il y en a souvent, il y a les rediffusions qui sont disponibles si jamais tu arrives trop tard pour le direct. Mais dans le webinaire Destination Business Bonheur, eh bien, je te partage notamment les quatre actions sur lesquelles tu peux agir, les quatre points sur lesquels tu peux agir pour justement te créer des cercles vertueux au quotidien. Ça rejoint les cinq principes de la méthode que tu pourras donc découvrir dans le webinaire si tu le souhaites. Le lien est dans la description. Sinon, c'est businessbonheur.com/webinaire. Rien de plus facile que pour accéder à ce webinaire, que ce soit en direct ou en replay. Yes, alors, Christophe Train, que tu connais si tu suis et que tu es habitué au café virtuel, nous partage que par rapport à la vidéo, quand on est focus, ben c'est zoomer sur ce qui est important, capturer les bons moments, développer le meilleur. Ben en effet, dans une vidéo, à moins que ce soit un live, mais dans une vidéo, généralement, on a une, deux, trois minutes, ça dépend évidemment le format, pour montrer le meilleur et pour aller à l'essentiel. Et je pense que c'est ça, Christophe, que tu as voulu partager, sens-toi libre de réagir par rapport à ça. Le fait que justement, que ce soit en vidéo, que ce soit dans sa propre vie, que ce soit en cuisine aussi. Imagine, tu cuisines, bah, il faut idéalement aller à l'essentiel. Sinon, bah, au final, ton plat ne ressemble à rien. Ou alors, si tu essaies de faire 10 plats, de cuisiner 10 plats en même temps, il y a de fortes chances que tu te retrouves à un moment donné avec des plats qui ont cramé ou que tu as oublié au four. Et d'ailleurs, ça me rappelle un jeu... je ne sais plus comment ça s'appelle, je l'ai dans le Epic Store, là, je vais l'ouvrir pour voir en même temps. Mais c'est un jeu où justement tu dois cuisiner, tu dois aller retirer à temps du four une casserole, mais en même temps tu as lancé de l'autre côté la découpe d'ingrédients, et donc tu es tout seul à gérer en fait une cuisine. Alors tu peux jouer à plusieurs, ça c'est génial, tu peux jouer jusqu'à 4, c'est vraiment kiffant, parce que du coup tu vois, t'imagines Christophe, tu es là, je te demande de découper des légumes pour aller les mettre dans la soupe qui occupe à cramer, enfin c'est vraiment un chouette de jeu. Et ben c'est ça en fait le pouvoir du focus. Ce jeu là justement, il joue sur le fait de nous faire aller de droite à gauche, et ça prouve bien qu'à un moment donné c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué de faire 50 choses à la fois, ben qu'il vaut mieux faire une chose, la terminer, puis démarrer une autre. Dans le livre d'ailleurs, il parle des fausses croyances qu'on a que l'humain avec un grand H est multitâche. Et en fait, il dit, bon, allez, je caricature, mais en gros, il dit, c'est du bullshit. C'est vraiment du bullshit. Parce que même si on a l'impression de faire une tâche à la fois, en fait, notre cerveau, lui, il est monotâche. C'est comme un ordinateur, c'est 0-1, c'est une action à la fois. Et donc, ce qui se passe, c'est que, oui, on a l'impression de faire plusieurs choses à la fois, mais en fait, notre cerveau, il passe d'une tâche à l'autre, comme ça, tu vois, un petit peu, il passe d'une tâche à l'autre. Ce qui fait qu'à un moment donné ou à un autre, on est moins efficace que si on se focus sur une tâche. Il réalise la tâche, on est pleinement concentré là-dessus. Dans le programme Leader Efficace, je partage notamment le fait que pour retrouver la concentration sur une tâche, quand tu es déconcentré, déconnecté d'une tâche, il faut environ, en moyenne, 15 minutes pour être pleinement reconcentré. Donc imaginons que je fais ce live. Et puis j'ai une distraction, mon téléphone qui sonne. Et bien pour être pleinement à nouveau dans ce live, eh bien il va me falloir 15 minutes. Imagine, tu es occupé à travailler et tu as une notification. Même si tu ne vas pas regarder sur ton smartphone quelle est cette notification, tu as été distrait. Donc moi personnellement, quand je dois être focus, je coupe toutes les notifications. Je mets le téléphone en silencieux. Je ne veux pas être dérangé. Même chose, les emails, je coupe. Facebook, je coupe. Tous les réseaux sociaux sont coupés. Je n'active même pas les notifications du navigateur, parce que ça, c'est vicieux. Pendant tout un moment, j'ai activé les news d'emails que je recevais. Et donc, en fait, le navigateur m'ouvrait une notification par rapport à ça.
et au final bah, j'ai désactivé ça parce que ça te déconcentre. Alors je vais quand même aller voir le titre du jeu dont je te parlais, et comme ça après je peux clôturer ça justement pour pas être discret, parce que là je vois en fait dans Epic Games plein de promotions de jeux qui vont me distraire jusqu'à plus soif. Alors comment s'appelle ce jeu? Hop, hop, hop. Après je vais voir s'il y a des questions par rapport à ça. Donc je sais qu'il est installé normalement. Donc je vais aller dans les jeux installés. Il s'appelle... Non, il s'appelle pas Stubold, Christophe. Je te vois arriver. Je sais que c'est le genre de blague qu'on peut faire tous les deux. Mais non, c'est pas Stubold. Désolé. Allez, comment il s'appelle ce jeu? C'est Cooking quelque chose. Je suis presque sûr que c'est Cooking. Cooking, comment c'est? Ben non, c'est pas Cooking. Comment c'est encore? C'est fou ça. Overcooked. Voilà, Overcooked. Donc c'est O-V-E-R-C-O-O-K-E-D. Vraiment, c'est un jeu pas mal. Je me demande si je peux te partager mon écran pour te montrer à quoi ça ressemble. Je vais pas pouvoir te montrer du coup. Mais bon, bref, Overcooked, c'est vraiment cool. Je te l'écris dans le jeu sympa. Pour cuisinier en herbe. Voilà. Tu vois, je sais même pas écrire avec mon compte professionnel. Hop là. Alors, quelles sont éventuellement vos questions? Parce que c'est vrai que tu me charriais un petit peu tout à l'heure, Christophe, avec « Peux-tu parler de ta méthode en trois étapes ?» Ouais, est-ce que j'ai envie de parler de la méthode Business Bonheur? Bah, évidemment que j'ai envie d'en parler, parce que c'est mon kiff, c'est mon bébé, c'est la méthode que j'ai utilisée pour créer mon propre business épanouissant. J'ai envie d'en parler maintenant. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, alors. j'ai envie de continuer sur... The One Thing, c'est vraiment un livre très très intéressant. Alors, je te conseille d'aller découvrir si tu ne le connais pas. Parce que donc, le pouvoir du focus, au-delà du fait qu'on est monotâche, qu'on le croit ou non, il y a plein d'autres clés dans ce bouquin. Il y a un autre truc dont j'aimerais te parler avant de passer à un autre sujet, c'est le concept d'effet domino. Alors l'effet domino, ça a été proposé par Lorne Whitehead, en 1983, oui j'ai un grand cerveau, j'ai une grande mémoire, sinon je sais lire en fait. Et donc ce livre te partage notamment l'effet domino. Le concept est simple, je te montre un schéma juste après, mais le concept, je vais un peu le caricaturer. Moi j'aime bien prendre des exemples de la vie courante, tu vois. Imaginons, tu as envie de faire tous les jours, d'aller marcher pour ton bien, pour ta santé, etc. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que, imaginons, tu te dis, ok, moi je vais marcher 5 km. Et que tu fais ça pendant 100 jours. Ben, si tu fais 5 km fois 100, ben, il est évident qu'au bout, tu auras 500 km. Ok, jusque-là, tout est clair. Imaginons maintenant que tu décides et que tu fasses 100 mètres en plus tous les jours. Voilà, ça va me demander de calculer, mais bref. Imaginons, tu fais... comment ça se fait qu'il n'y ait pas de son ? Ah, allô, 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 c'est fou ça. Ah bon? Attends. Pop, hop. Attends, je vais vérifier. Test. Alors, pourquoi il n'y a pas de son? Je dois faire un montage. Aperçu audio, non? Normalement, c'est bon. Je vais écouter s'il y a... du son. Allô. Ok, alors. Pourquoi? Bon, est-ce que maintenant il y a du son là? Oh là là, je suis à fond dedans en plus.
Bon, je couperai ça au montage. Alors, Facebook. Bon, tu veux bien, Tony? Bon, je couperai ça au montage. Ah ben là, apparemment, il y a du son. C'est bon? Ok, alors vérifier. Hop, allô. Ah, ok. Bon, bah apparemment. Apparemment, c'est bon, Christophe. Ça doit être chez toi. Oh, la technique. Hein. Ah, tu vois, je me suis fait distraire par Christophe. Non, je rigole. T'inquiète, Christophe. Ça arrive. Je sais pas ce qui se passe. Mais chez moi, j'ai du son. Bon, écoute Christophe, j'espère que ça ira. Je te propose de te reconnecter. Je vais quand même te l'écrire. Bon, moi je ne sais pas, écoute. Ouais, c'est que toi. C'est que toi. Bah écoute, on débriefera après si tu veux. Mais tu vois, du coup, je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Ah, vous voyez, ça c'est bah, c'est un exemple, mais c'est pas par rapport à toi, Christophe, c'est de manière générale. En fait, voilà, c'est le fait de regarder les commentaires, bah, c'est une certaine distraction. Et en plus, bah, je suis un homme, donc je sais faire qu'une chose à la fois, évidemment. Un homme avec un grand H, car je vous rappelle, chaque être humain ne sait faire qu'une chose à la fois, même s'il croit pouvoir faire le contraire. T'inquiète, Christophe. Tout va bien. Tout va bien. Donc, je te parlais en fait de l'effet domino. Tu vois, j'allais te dire l'effet papillon, mais c'est encore autre chose, ça. L'effet domino, c'est simple. Donc, je prenais l'exemple de la vie courante, puisque j'adore ça. Donc, si, imaginons, tu décides de faire 5 km tous les jours, pendant 100 jours, ou toutes les semaines, pendant 100 semaines, peu importe. Eh bien, au bout de 100 fois, tu vas avoir fait 500 km. L'effet domino part du principe que si tous les jours tu fais une action en plus, un petit plus, tu vois, eh bien tu vas obtenir un grand résultat. Je vais te partager un schéma juste après qui est tiré du livre. Et donc imaginons, reprenons cet exemple de kilomètres. Si tous les jours tu fais par exemple 100 mètres de plus, ok, eh bien au bout de 100 jours, tu vas avoir 5 kilomètres fois 100, ça fait 5 km, et puis tu vas avoir 100 mètres fois 100, ce qui fait 10 km. Ça veut dire qu'au bout du compte, tu auras fait 510 km au lieu de 500 km. Ça paraît con, mais si tu fais ça, par exemple, si tu calcules ça en termes de finances, par exemple, ben ça peut avoir un grand impact. Par exemple, j'utilise le système des 5 jars de Thierry Hardecker, qui est un système de gestion des finances personnelles. Eh bien, tous les mois, à chaque fois que je touche comment dire, mon salaire, entre guillemets, puisque je me verse mon propre salaire, mais bref, eh bien, tous les mois, je mets un pourcentage de côté. Je mets 10% sur un compte qui me permet de traiter les coups durs. J'ai 10% pour de l'investissement, j'ai 10% pour m'amuser, etc., etc. Mais 10% tous les mois, ben ça peut faire par exemple 100 euros. 100 euros fois 12 mois, ça te fait déjà 1 200 euros d'économie. Et si tu fais ça pendant par exemple 10 ans, bête, ça te fait 12 000 euros d'économie. Et ça, c'est valable dans tout. La même chose, tu écris 100 mots de plus, ben au bout de 100 jours, tu as 1 000 mots en plus. 10 000 mots en plus. 100 fois 100, 10 000. Ouais. 10 000 mots en plus. C'est valable dans tous les domaines de sa vie. Et donc, justement, l'effet domino, c'est celui-ci. Il part du principe qu'avec un petit effort au départ, on peut obtenir un énorme résultat au final. Et donc, l'effet domino ressemble à ceci. Putain, j'ai perdu la page, voilà. L'effet domino ressemble à ceci. Hop. Donc, au départ, si je parle, prends plus le micro devant moi. Au départ, tu as un petit domino.
le domino fait 5 cm de haut, eh bien, au bout du 18e domino, tu peux faire tomber la tour de Pise. Au bout de 23 dominos, la tour Eiffel. Au bout de 31, tu dépasses le mont Everest de plus de 3000 mètres. Et au bout du 57e, tu couvres entre guillemets la distance entre la Lune et la Terre, ou la Terre et la Lune. Et évidemment, c'est imagé. Les actions que tu vas faire ne vont pas t'emmener sur la Lune, encore que, pourquoi pas. Moi qui adore la, comment dire, l'espace et tout ce qui va avec. Bref, on a parlé de Star Trek il n'y a pas très longtemps, hein, donc je ne sais pas si tu t'en rappelles avec Christophe, c'était très très sympa. Et donc voilà, vraiment, ça peut vraiment faire la différence. Ça aussi, c'est quelque chose que tu peux apprendre dans ce livre. Alors, je vais te laisser les surprises, évidemment, parce que il y a tellement de choses possibles, enfin, tellement de sujets intéressants dans ce bouquin. J'en fais la promo, mais vraiment, il est vraiment très, très bien. Que tu sois entrepreneur ou même pour ta vie personnelle, ça peut être vraiment très, très intéressant. Il y a pas mal de concepts qui se retrouvent dans le programme Leader Efficace. C'est un programme de formation vidéo sur l'efficacité. Si ça t'intéresse, ben, tu peux me contacter et on en parle avec grand plaisir. La dernière chose que je voudrais te partager par rapport à ce livre, c'est justement ce schéma-ci qui te propose de te poser la question dans chacune des sphères de ta vie, et c'est notamment de ces sphères dont on parle dans le webinaire qui a lieu jeudi et dans les jours qui vont suivre en replay. Eh bien, c'est de te poser la question: quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile. Et ça, c'est vraiment une question puissante que je t'invite à te poser. Je te la remettrai en commentaire après le live dans la description. Je te mettrai également les coordonnées du livre The One Thing, en tout cas les informations. Si tu es en Belgique, je t'invite à aller sur moliere.com pour le commander. C'est une librairie belge qui envoie partout en Belgique, et donc il ne faut vraiment pas hésiter. Ça permet de faire vivre le commerce local, puisque tu sais que pour moi, c'est extrêmement important aussi de contribuer au commerce local. Alors, je regarde s'il y a des questions. Salut Olivia, j'espère que tu vas bien. Christophe, je voulais aussi te dire, vu que tu réentends le live, sache que je prends mes responsabilités, tout va bien. C'est pas de ta faute, c'était juste pour illustrer le discours par rapport au fait d'être discret, mais voilà, ne le prends pas personnellement, c'était pas du tout mon objectif. Un des principes de la méthode, un des 5 principes de la méthode Business Bonheur, c'est prendre ses responsabilités. Je suis pleinement responsable. Si à un moment donné, j'ai un écho par rapport à ça, je t'en tiens par rigueur. Et voilà, si maintenant, il y a un problème technique dont je n'ai pas d'action dessus, bah là, évidemment, je ne peux rien y faire. Voilà, bah, je pense qu'on a bien parlé de The One Thing. Je vois qu'il est déjà 20h41. Je pensais que ça passerait si vite, mais c'est vrai que du coup, il y a déjà pas mal de valeurs partagées. J'avais envie de te parler aussi d'écriture et de NaNoWriMo, puisque comme tu le sais, eh bien, j'ai pu écrire 2 livres, « Mets du bonheur dans ton business » ici, et puis il y a « Destination Business Bonheur » qui est caché juste là. Et j'ai décidé de refaire, parce que l'année passée, j'ai relevé le défi de NaNoWriMo. NaNoWriMo, je vais t'expliquer ce que c'est en gros, mais j'avais décidé d'écrire un livre en un mois, puisque c'est le défi NaNoWriMo, c'est d'écrire en un mois un livre. Alors ça peut être une nouvelle, ça peut être un livre plus gros, bref, c'est un challenge mondial, je vais t'écrire ça en commentaire. Et en fait, tu as un site internet qui en fait te permet de traquer tes efforts au quotidien, tes efforts d'écriture. Alors tu peux l'utiliser tout au long de l'année. Il y a des challenges qui sont parfois locales, et une fois par an, c'est un challenge mondial. C'est-à-dire que l'idéal, c'est de pouvoir participer, si tu n'as pas envie de participer tout au long de l'année, c'est de relever ce challenge mondial, puisque tout le monde est dans la même énergie, il y a une énergie qui se crée autour de ça, et c'est vraiment, vraiment très très chouette.
Et donc, l'idée, c'est de pouvoir te partager par rapport à ce challenge que je vais relever une nouvelle fois cette année sur un livre que j'ai commencé l'année passée. Donc, je vais, entre guillemets, pas spécifiquement redémarrer à zéro, mais c'est vrai que c'est un livre qui me tient à cœur. C'est un livre qui s'intitule « 28 jours à vivre ». D'ailleurs, tu peux retrouver sur cette même page Facebook, tu peux retrouver en fait les lives de l'année passée. Ça s'appelle « Mon aventure d'écriture NaNoWriMo 2019 ». Et donc, je retente le défi cette année. La particularité, c'est que cette fois-ci, je veux vraiment, vraiment aller au bout. C'est-à-dire que tous les jours, je veux écrire au moins un chapitre de ce livre, en sachant que le livre est divisé en 28 chapitres, si on compte pas l'introduction et la conclusion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'y partage 28 principes de vie. Et tu vas voir qu'en fait, l'exercice, il n'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au-delà de l'écriture, il va y avoir la relecture, parce que j'aimerais vraiment pouvoir le sortir à la fin du mois. Et c'est vraiment un livre qui me tient à cœur, parce que je vais t'expliquer un petit peu l'origine de ce bouquin. Et puis je lis les questions avec grand plaisir et j'y réponds. Vraiment, ce bouquin, en fait, il vient du cœur. Pourquoi ? Parce que la réflexion et le début du manuscrit, la structure, est née suite à une question que j'ai découverte dans un livre. Et cette question, c'est « S'il te restait 30 secondes à vivre, qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux que tu aimes ?» Et en fait, je rentrais d'une conférence, j'ai acheté ce bouquin qui s'appelle 21 jours, je crois. Donc c'est une personne qui a écrit et qui... je vais te retrouver le titre parce que c'est pas très correct. De Éric Béanzin. Voilà. Et je te dis tout de suite le titre. Non, c'est 12 jours, pardon. 12 jours de Éric Béanzin. Je te mettrai le lien aussi dans la description. Et dans ce livre, je rentrais de la conférence animée par Éric Béanzin. Et j'ai commencé en fait à dévorer ce livre. La partie, en tous les cas, réflexion, parce que le livre est divisé en deux parties. Divisé en une partie, c'est l'histoire d'Éric qui fait 12 jours de jeûne, je crois qu'on dit. Donc il ne mange pas et il ne boit pas pendant 12 jours. Que tu apprécies ou pas, c'est chacun sa manière de voir les choses, mais il y a une deuxième partie qui est plus focalisée business. Bref, ça me rappelle d'ailleurs le livre qui est juste là, hein. C'est ce livre-là qui a changé ma vie, et lui aussi il est écrit en deux parties, une partie romancée et une partie plus théorique avec des concepts de business, etc. Et ce livre s'appelle, si tu ne le sais pas encore, « Réveillez le millionnaire qui est en vous » de Mark Victor Hansen et David Allen. Tout ça pour te dire que dans ce livre, 12 jours, il y a un moment donné où l'auteur, Eric, propose une question qui est « S'il te restait 30 secondes à vivre, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton entourage ?» Et j'ai fait cet exercice, comme tous les autres d'ailleurs, d'affilée, au bord du lit. J'étais crevé, mort, mais j'étais dans le flow, donc j'ai continué. Et j'ai en fait... un texte qui est ressorti de ça. Et en fait, je me suis rendu compte, après coup, que dans ce texte, il y a 28 principes de vie. Et je me suis dit, voilà, je vais écrire sur ces 28 principes. Et les personnes qui vont lire ce livre, eh bien, ils pourront soit appliquer un principe à la fois pendant 28 semaines, soit appliquer les 28 principes en 28 jours. Bref, les gens feront comme ils veulent. Mais de toutes ces années d'expérience et de vécu, parce que ce n'est pas que de l'expérience professionnelle, c'est des expériences aussi personnelles avec la famille, etc. Et je pense que vraiment, dans ces 28 principes, il y a énormément de concepts de développement personnel que si on les applique au quotidien, eh bien, on obtient une vie meilleure, on se crée une vie meilleure. Et ce livre me tient vraiment à cœur parce que c'est vraiment, en fait, comme je te disais, des principes que j'ai mis des années à apprendre. Il y en a des tout récents, il y en a des moins récents. Et c'est des concepts, sincèrement, en les appliquant dans son quotidien, on peut obtenir des résultats énormes et se créer, en fait, une vie meilleure. Et le premier concept, il est simple, c'est le cadeau de la vie. Profiter de chaque instant. C'est le leitmotiv de l'Académie Business Bonheur. C'est
l'un des leitmotifs qui m'anime aujourd'hui à accompagner des entrepreneurs à vivre une vie épanouie au travail et dans la vie. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce cadeau précieux de la vie, on ne sait pas quand on va nous l'enlever. Personne n'a de certitude quant à la date de sa mort. On sait tous qu'on va mourir un jour, mais on ne sait pas quand. On sait tous qu'aujourd'hui, on a nos deux bras, nos deux jambes. On ne sait pas ce qui peut arriver demain. Il y a des accidents de la vie qui font qu'à un moment donné, eh bien, on perd des choses qu'on pensait acquises. Aujourd'hui, je peux vous parler, peut-être que demain, ce ne sera plus le cas. J'aspire à ce que, mais voilà, personne ne sait. Personne ne sait pour moi, moi je ne sais pas pour moi, je ne sais pas pour toi qui regarde ce live, je ne sais pas pour les personnes qui vont regarder le replay. Je ne sais pas, tu ne sais pas, personne ne sait. La seule certitude qu'on a, c'est qu'on peut profiter de l'instant présent. Et il y a une phrase dont on a parlé dans un live avec Christophe il n'y a pas très longtemps, quand on a parlé des films Retour vers le futur, il y a une phrase que j'aime dire, c'est « Utilise ton passé pour agir sur ton présent et construire ton futur. » Parce que la seule certitude que tu as, c'est qu'aujourd'hui, à l'instant T, tu peux agir sur ton présent et construire ton avenir. Ressasser le passé, ça ne sert à rien. Essayer de prévoir le futur, ça ne sert à rien. Par contre, agir maintenant, là, ça sert à quelque chose. Indique-moi en commentaire si ça résonne avec toi. Là, je parle avec mes tripes, je suis parti. Je vais être attentif à l'heure parce que je sais que le temps est une des ressources les plus précieuses que tu as avec la santé. Donc, je ne veux pas abuser de ce temps. En même temps, je considère que si tu regardes ce live encore jusqu'à présent, c'est que tu l'as décidé et que tu es pleinement responsable de regarder ou pas jusqu'au bout ce direct. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment la première chose. Et donc, j'ai vraiment envie d'écrire ce bouquin « 28 jours à vivre ». Et donc ça peut être 28 secondes, ça peut être 28 jours, ça peut être 28 semaines. En tous les cas, c'est d'appliquer ces 28 principes, idéalement un à la fois, hein, puisque je vous rappelle l'importance du focus. On ne sait pas faire plusieurs choses à la fois, donc l'idée c'est voilà, je prends un principe, je l'applique dans ma vie, soit une journée entière, soit une semaine entière, soit un mois entier, pourquoi pas, et je fais ça 28 fois. Si ça t'intéresse, indique-le moi en commentaire, je te lirai le texte que j'ai pondu en 30 secondes. S'il me restait 30 secondes à vivre, qu'est-ce que je dirais à ceux que j'aime? Je partagerai ça avec grand plaisir en fin de live pour toi qui reste jusqu'au bout, pour te remercier de consacrer du temps à ton propre développement, parce que si tu te développes, tu vas aider les autres à se développer, ne fût-ce que ton entourage, par peut-être un ou deux déclics que tu auras eu pendant ce live, et ce sera avec grand plaisir que je te partagerai ça. Dernier sujet que je voulais aborder aujourd'hui, au-delà des questions, si tu en as, je réponds aux questions en lien avec l'entrepreneuriat, le développement personnel ou l'écriture. Oui, d'ailleurs, je vais répondre à la question avant de passer au sujet suivant de Christophe qui demandait si c'était possible d'écrire un livre en un mois. Alors, la particularité du défi NaNoWriMo, c'est de se challenger, première chose. C'est-à-dire de se laisser l'opportunité d'écrire en un mois peut-être quelque chose qu'on aurait mis des années à écrire sans ce défi-là, sans ce challenge. Donc ça, c'est la première chose. Le NaNoWriMo permet de sortir de sa zone de confort et de se dire « Ok, quoi qu'il arrive, que je réussisse ou pas le challenge, je relève le challenge jusqu'au bout, jour après jour. » Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, personnellement, j'écris de la non-fiction. C'est quelque chose qui me passionne depuis de nombreuses années. Et en plus, j'ai la possibilité de repartir sur un programme, en tout cas une structure de livre, qui est claire dans mon esprit. C'est des principes que je connais, que j'ai déjà abordés en chronique radio, que j'ai déjà abordés dans plusieurs conférences. Donc, ça va être assez simple pour moi de l'écrire. Mais je pense que même quelqu'un qui n'a jamais écrit est capable aujourd'hui d'écrire un bouquin. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où les outils, notamment Internet, permettent de faire tant de choses et notamment écrire son livre. Alors je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que tout le monde va le faire, je dis simplement que tout le monde peut le faire.
Imaginons même quelqu'un qui ne sait pas écrire. Aujourd'hui, il a la possibilité de s'enregistrer en vidéo et de demander à quelqu'un de retranscrire ce qu'il a dit. Donc même quelqu'un qui ne sait pas écrire aujourd'hui a la capacité de publier un livre. Il s'enregistre en vidéo, il demande à quelqu'un de retranscrire cette vidéo, pourquoi pas de relire avec lui, de modifier les choses, etc., et de publier un livre. Est-ce que ça va être aussi simple que quelqu'un qui sait écrire ? Non, évidemment que non. Mais quand on veut, on peut. La phrase de fin de tous les épisodes, de toutes mes vidéos YouTube, de tous mes webinaires, c'est « Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé. » Et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance, c'est la phrase de clôture parce que je sais d'expérience que quand on veut et qu'on se donne les moyens et qu'on passe à l'action, on a la possibilité de créer de grandes choses. Et c'est là qu'on peut faire la différence. Maintenant, est-ce que tout le monde va le faire ? J'aime dire que malheureusement non, mais en même temps, c'est le choix de chacun. Qui suis-je moi pour juger le fait qu'une personne ne passe pas à l'action ? J'ai déjà fort à m'occuper de mes propres actions et de ma propre vie. Mais voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc pour répondre à ta question, Christophe, est-ce que c'est possible d'écrire un livre en un mois ? Oui, je l'ai déjà fait. Destination Business Bonheur est un livre que j'ai écrit et publié en moins d'un mois. Maintenant, j'avais bien réfléchi, j'avais déjà écrit « Mets du bonheur dans ton business » dont il y a certains concepts qui ressortent. Donc ça va dépendre évidemment du type de livre que tu as envie d'écrire. Si c'est de la fiction et que tu te dis « je vais écrire une trilogie ou bien 7 livres comme Harry Potter et d'autres livres à succès », bien évidemment que ça va être beaucoup plus compliqué de le faire en un mois. Mais par contre, écrire une nouvelle en un mois, c'est possible. Écrire un recueil de poèmes, c'est possible aussi. Tu sais, c'est un petit peu comme... Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours dit que je ferais de la radio. Mais j'ai jamais dit que je ferais de la radio sur une grosse radio nationale ou internationale. J'ai juste dit que je ferais de la radio. Mais dans l'esprit des gens, d'ailleurs j'ai fait un post là-dessus, il faudra que je le repartage. J'avais fait un post sur le fait que quand tu dis quelque chose, ben, les gens se font une idée. Quand tu dis « j'ai publié un bouquin », eh bien, ils peuvent s'imaginer peut-être une brique alors que c'est peut-être un petit livre. Et c'est pas la quantité de pages qui compte, c'est ce que tu as mis dedans. Et tout à l'heure, je parlais justement de ces livres à succès. Si tu écris pour avoir du succès, c'est comme si tu fais une vidéo pour avoir une chaîne YouTube pour avoir du succès, mais il y a un moment donné ou un autre, tu vas abandonner parce qu'il y a de fortes chances que tu rencontres des obstacles qui vont te décourager. Par contre, si tu écris avec passion, si tu fais des vidéos avec passion, si tu entreprends avec passion, là, tu vas persévérer vers tes objectifs. Et même s'il y a des obstacles face à toi, tu vas y arriver. Est-ce que c'est possible d'écrire un livre en un mois ? Oui, Christophe, j'en suis sûr. J'en suis la preuve vivante et je serais ravi d'ailleurs, pourquoi pas, d'échanger avec toi sur ce sujet. Même si je sais que logiquement, ton livre arrive bientôt. Je l'attends. Je te mets pas la pression, mais je l'attends. Tu peux partager ton lien en commentaire, Christophe, si tu veux, vers ton livre. Comme ça, les gens pourront le découvrir avec grand plaisir. Et si tu veux relever le défi Nano Ruimo avec moi, bah, écris-moi en commentaire. On échangera avec grand plaisir. Je parle à Christophe, mais je parle aussi à toutes les personnes qui verront le replay ou toutes les personnes qui sont là en direct. Alors, je vais vérifier s'il y a des questions. Exactement, c'est à toi de décider de vivre le business bonheur, c'est à toi de vivre la vie de bonheur que tu mérites. Maintenant, il faut passer à l'action, évidemment. On a 86 400 secondes chaque 24 heures, à nous de les exploiter correctement. Effectivement, d'ailleurs, dans le programme Leader Efficace, il y a une phrase que je dis et qui, en fait, est pleine de vérité, c'est « Quel est le point commun entre Steve Jobs, Oprah Winfrey, Mère Teresa, Obama, bref, qu'est-ce qu'on a de commun avec Da Vinci ou avec n'importe quelle autre personne qui a eu, entre guillemets, du succès dans son domaine ? Eh bien, le point commun entre ces personnes et nous, c'est que l'on a tous et toutes 24 heures dans une journée. Ce qui fait la différence, ce sont les actions qu'on va mettre en place pour obtenir ou pas des résultats. Ça me ramène à l'effet 20-80, loi de Pareto,
20% d'effort pour 80% de résultats. Il en parle aussi d'ailleurs d'une manière un peu différente de d'habitude dans The One Thing. Sinon, il y a le principe 20-80 qui est aussi un livre énorme que je te conseille si tu ne l'as pas encore lu. Bref, voilà, matricemarketing.fr si tu veux en savoir plus sur le livre de Christophe. On en arrive au dernier sujet, au-delà des questions. J'ai reçu ceci de la Poste française. Et je sais déjà ce que c'est, entre guillemets, puisque c'est moi, entre guillemets, qui ai fait la demande. Il s'agit en fait d'un service que la Poste belge propose, qui s'appelle l'in-home, advertising pour booster votre impact. Alors je vais vérifier qu'on voit bien. Voilà. Donc en fait, c'est marrant parce que du coup, c'était une page de capture qui était proposée par la Poste belge. Et il partait du... Enfin voilà, ils proposaient en fait de tester leur système de mailing direct, donc de mailing papier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Poste belge, je ne pense pas qu'il y ait que la Poste belge, mais voilà, en tout cas, moi, c'est la Poste belge qui m'a envoyé ça, donc ça s'appelle Bipost en Belgique, eh bien, propose un service qui s'appelle In-Home, et donc qui permet aux entreprises d'envoyer du courrier directement chez des prospects. Alors comment ça fonctionne, je ne sais pas exactement, puisque j'ai demandé la brochure, mais en tous les cas, voici ce que j'ai reçu aujourd'hui, juste avant le live, hein, en rentrant, c'était dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu ceci aujourd'hui, qui permet de découvrir le concept. Et j'étais curieux parce que je me dis, voilà, il y a quand même la possibilité de peut-être faire quelque chose avec ça, ne fût-ce que pour l'envoi de mon livre en cadeau à certains prospects ou un prospectus, un outil de travail que j'enverrai au coach, ou des choses comme ça. En fait, il y a plein de possibilités d'utiliser ce type de service d'envoi courrier postal. Et en quoi c'est intéressant? Ce qui est intéressant, c'est un petit peu comme le SMS ou comme Messenger par rapport à l'email classique. C'est qu'aujourd'hui, on reçoit des centaines d'emails chaque jour, en moyenne. Ça dépend si tu es en mode inbox zéro comme moi ou pas. Mais bon, bref, on reçoit plein d'emails. Et d'ailleurs, petite astuce que moi j'utilise, c'est que j'ai une boîte email, entre guillemets, dans laquelle je m'inscris à tous des trucs. Celle-là, je la vide de temps en temps. Et ma boîte professionnelle, j'essaie de vraiment, au maximum, de la garder en boîte de réception vide. C'est pas tous les jours évident, mais voilà. Tout ça pour te dire que aujourd'hui, la majorité des personnes, quand elles reçoivent un courrier, sauf si ce courrier ressemble à de la pub, évidemment, parce que de la pub, tu en reçois aussi dans ta boîte aux lettres, hein, évidemment. Mais quand on voit un courrier personnalisé, donc moi c'était noté David de l'Académie businessbonheur.com. Et donc quand tu reçois ça, tu as plus de chances de l'ouvrir, tu as plus de chances que ton client l'ouvre. Et donc j'ai reçu ceci avec, tu vois, notamment des chiffres. Donc je trouve que c'est quand même très intéressant en termes de marketing. Il y a très certainement des choses à reprendre. 35% du chiffre d'affaires en plus avec un direct mail dans votre mix média. Bon, mix média, c'est peut-être pas très clair pour tout le monde. Donc là, il y a un petit langage peut-être d'expert dont on pourrait se passer. 87% des Belges relèvent chaque jour leur boîte aux lettres. Et 70% considère que la lecture du courrier est un moment agréable. Surtout quand il y a une expérience qui est faite. Tu vois, moi, par exemple, j'ai reçu une série de post-it sympas. Voilà, des chiffres et des cases qui ne s'oublient pas. Bipost-it. Ça me permet, tu vois, de, hop, utiliser des post-it. Je me rappelle de la marque, je me rappelle du produit, du service. Je laisse traîner sur mon bureau, je l'utilise pour marquer dans mon livre et je repense à Bipost à chaque fois que je l'utilise. Ça, c'est un exemple marketing. Astuce, présentez-les à vos collègues lors d'une prochaine réunion. Impact garanti. Ouais, il y a même un moyen d'en parler à ses collègues, tu vois. Donc voilà, je trouvais que c'était assez sympa. Alors, je vais pas te partager tout le manuscrit, tout le manuel. Je t'invite à faire la demande si tu le souhaites sur bipost.media. Tu vois, je fais même la pub pour eux. Mais c'est intéressant, en fait, parce que dedans, il y a des études de cas concrète, tu vois, donc invitez-vous chez la cible idéale, un effet mesurable sur votre retour sur investissement, droit au cœur, une faible empreinte écologique, d'innombrables possibilités créatives, les solutions intelligentes de Bipost. En quoi c'est intéressant de te parler de ce sujet-là? Tu vois, je vais faire ça comme ça, je serai... je veux plus être flou.
Allez, remets-toi convenablement. Bref, tout ça pour te dire que, marketingement parlant, c'est très très bien construit. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, il désamorce, donc déjà il te donne une bonne raison de t'intéresser à l'email parce qu'il te montre, ils te font vivre l'expérience en t'envoyant le courrier chez toi. En plus, ils te mettent des études de cas qui te permettent de comprendre réellement l'impact que ça peut avoir sur ton business. Et en plus, ils désamorcent certaines objections, comme par exemple la pollution et l'écologie. Souviens-toi, il y a un des chapitres qui est un impact réduit, une faible empreinte écologique. Donc, tu n'as même pas encore pris contact avec un commercial, puisque je suis sûr que je vais être démarché commercialement par rapport à ça, mais je n'ai même pas encore été pris en contact par un commercial, que dans le livre, on désamorce certaines objections que je pourrais avoir, comme par exemple l'empreinte écologique. Ouais, mais envoyer du papier, ça pollue, machin bidule. Ben, dedans, il y a des études de cas qui me démontrent le contraire. Il y a des chiffres qui me montrent à mon rationnel que ce n'est pas le cas. Et en plus, on va toucher mon émotionnel, puisqu'il y a un moment donné où on va me parler d'émotions dans ces études de cas. C'est un exemple que je trouvais intéressant de partager dans ce live, parce que on oublie parfois peut-être qu'il y a possibilité d'envoyer du courrier à ses prospects, ou même à ses clients. Hein. J'avoue que je ne l'ai pas fait l'année dernière, mais l'année d'avant, j'ai écrit plus de 30 cartes de vœux, j'avais mal à la main, à mes meilleurs clients. Et donc, tu vois que c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui de faire du mail marketing. Je t'invite à creuser en tous les cas la thématique. Je sais qu'en France, il y a monfacteur.com, je crois. Attends, comment ça s'appelle encore ? Facteur. Mercifacteur.com. Merci-facteur.com. Je te mets le lien dans la description aussi, qui te permet d'envoyer des courriers imprimés et postés dans la journée. Voilà pour les amis français. Sinon, c'est bipost.media. Bpost sans e.media. Je te mets les deux liens dans la description aussi. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Alors, je regarde s'il y a des questions. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et que j'ai partagé beaucoup de choses. En tous les cas, c'était un grand plaisir de faire cet épisode surprise. J'espère que ça t'a plu aussi, que ça t'a apporté plein plein de valeur. Si tu veux connaître le texte, puisque je t'ai promis que j'allais te lire le texte si tu me le demandais en commentaire, il n'y a pas eu de commentaire par rapport à ça, mais si tu m'écris un message privé, je te partagerai en avant-première le texte de mon prochain livre qui s'intitule 28 jours à vivre et que je vais écrire pendant le challenge NaNoWriMo qui va se dérouler ici en novembre 2020. J'espère en tous les cas que ça t'a plu. Rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. C'était David Valls Imaginant de l'Académie BusinessBonheur.com pour ce nouveau café virtuel. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Ciao. Hello, c'est David. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la playlist qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre « Destination Business Bonheur ». Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres.